Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Vincent et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne de Temps d'un Kit. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la suite de Construisez le légendaire cyborg Robocop de chez Altaïa et on va continuer avec le numéro 87. Alors, présentation du fascicule 87. L'histoire de Robocop, 3 mois pour créer 2028. Le tournage de Robocop débute en septembre 2012. Article clé au-delà de Toronto. Alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro, le guide de montage. Cent ans de robots, l'option d'un corps robotique. L'IA pourrait redéfinir la robotique. Technologie de pointe, extincteur sonique, des sons qui étouffent les incendies. Article clé, nouveaux alliés dans la lutte anti-incendie. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 87 en 87A, support de l'articulation de la tête, partie A. Pièce en plastique. Ensuite, en 87B, support de l'articulation de la tête partie B. En plastique également. Ensuite, 87C et 87D, bloc de friction A et bloc de friction B. Ensuite, 87E, articulation inférieure de la tête. Rotule en plastique. Ensuite, 87F, nous avons l'interrupteur. En 87G, support de l'interrupteur. 87H, nous avons le cou, partie B, pièce en plastique, et nous avons des vis BP. Et ben on passe au montage. Alors, première étape, on va prendre notre pièce 87B et on va faire attention à ce que les trois petits points ici ils soient orientés vers le haut. Ensuite, on vient positionner le premier bloc de friction. On prend ensuite le petit qu'on vient mettre comme ceci. Ensuite, on va prendre notre rotule d'articulation de la tête. On fait bien attention à ce que la petite patte ici soit orientée vers le haut. En direction des trois points comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre notre pièce 87A. On voit ici qu'on a une petite patte et juste à côté une encoche. Donc cette encoche doit venir correspondre à la petite patte ici. Voilà, on fait bien attention à ce que le petit ergot aille bien dans le trou, comme ceci. On presse bien, et donc ici, ici et ici, je vous remontre un peu mieux, voilà. Donc là, là et là, on va maintenir avec trois vis BP. Et donc voilà ce que ça donne. On voit que c'est fonctionnel. Et ben on peut passer à la suite. Alors ensuite, on récupère donc le haut du corps de Robocop. Ensuite, on va venir positionner
première juste de monter donc les deux petits trous vers l'avant et on va venir positionner comme ceci. Donc on voit ici qu'on a deux petits ergots qui viennent correspondre aux deux pattes ici. Voilà, comme ceci. Et on va maintenir le tout avec deux vis BP. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Ensuite, on va récupérer la deuxième moitié du coup. On va venir refermer l'ensemble comme ceci. Voilà. Et donc ici et ici, même chose, on va maintenir avec deux vis BP. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Alors ensuite, étape suivante, on va prendre le support d'interrupteur. Donc la petite patte ici orientée vers le bas. On prend ensuite l'interrupteur. Et on va venir le passer comme ceci à l'intérieur. On va essayer de faire passer l'étiquette avec. Voilà. Et on va venir l'emboîter. Voilà, comme ceci. Et ce sera donc tout pour ce numéro 87. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ce numéro 87. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter. Et on n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez le légendaire cyborg Robocop de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !